Salut et bienvenue pour cette partie de la phase de poule qui va opposer Brocard et Monsieur Couille contre Furio et UMB. On est sur région de Eindhoven et on est dans la poule. C'est quelle poule celle-ci? La poule 1. C'est la poule, la première poule, effectivement. La poule des boss. Je t'attends à 5 secondes. Je vais à 3 secondes. Ok. C'est bon? Du coup, Alors, nickel, hop, brouillard de guerre s'est enlevé, ça s'est enlevé. Effectivement, vu que je suis à 3, je vais démarrer de 3, donc prépare-toi à appuyer sur le bouton. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, et ainsi de suite. Donc, on a au sud Brocard pourquoi qui est Slayer? USF de la team Slayer exactement avec Monsieur Couille qui joue. Non, Monsieur Couille. Attends, c'est quoi ces couleurs? Pourquoi j'ai les mêmes couleurs? Enfin, Monsieur Brocard qui joue USF et Monsieur Couille qui joue. Non, Non, c'est Brocard qui joue Pokémon. Soviet et Couille qui joue Pourquoi il est pas en Soldat bleu? du génie en attente. Ouais, j'ai dû Monsieur oublier Couille qui de joue changer un truc, un paramétrage. USF. Enfin, bref, c'est pas grave. Nickel. Je te laisse faire la présentation. Honore. Et donc au nord, on a Furio en OKW. Premier. Par double Storm d'ailleurs. Et Lumewinbois, alias UMB, qui joue Wehrmacht et qui a déjà choisi son commandement. Stratégie d'infanterie allemande. Avec les petits half-tracks qui sont sympas et surtout les sections à 5. Ils sont bien sympas pour spammer les grenadiers. Et moi, ça me fait plaisir. Et Kui qui a pris stratégie d'aéroportée, Furio qui a pris Jagdtiger. Soldat du génie signale la capture de Bref, l'objectif. voilà. C'est bon, la position est à nous. Yes. Donc Brocard qui fait un T1, On se un rend les Strafbat. fiches. Premier affrontement, l'échelon qui va prendre très très cher. En tout cas, ça a choisi les commandes rapidement. Hein. Ouais, très très rapidement. Du coup, ouais, Furio qui fait double jetons, mais. Un Panzer. Vas-y. Panzer fusillé, pardon. En haut qui se sont infiltrés. Faut faire gaffe. Du coup, ouais, ils sont venus à deux sur leur fioul. Ils ont envoyé un petit fusilier pour pouvoir flanquer la MG tranquillement. Du coup, Brocard qui fait direct un sniper. Perd pas de temps. Et UMB qui fait une deuxième MG. Non, ouais, un sniper avec sachant qu'il a deux ingénieurs. Par contre, ça Bon, c'est faire intéressant. attention. Couille Bon, d'abord. qui a direct fait le capitaine, il n'a pas fait de deuxième section d'éclaireur ou deuxième section de fusilier. Intéressant. Pour l'instant, léger avantage du contrôle map pour l'axe. Qui a réussi à prendre le bâtiment au mid d'ailleurs. Ouais, il vient s'installer chez lui. Mais après, c'est un peu normal vu que l'OKW a un léger avantage au tout début. Et Brocard, le temps qu'il s'installe avec son sniper, etc. Qu'il ait pas mal de sections, ça va prendre un peu de temps. Peut-être la cubelle qui tombe. Et. Voilà, il tire pas dessus. Non, il va pas y Ouah, arriver. lui Par contre, il va se trouver avec le schtroumpf sur la route. Eh mais le capitaine c'est. Avec les petites Le taf. Thompson, ouais, ça fait le taf. Petit Thompson et puis surtout le garant qui est efficace. Hein.
est aussi ouais, efficace. Il est garant de l'efficacité, ouais. Garant. Sur ce, c'est fait. Bon, JOP. Attention au grenadier là. Une mauvaise rencontre. Ouais, heureusement, c'est des. Et du coup, Furio qui fait un T1 sur son cutoff. Toujours les deux munitions pour l'axe. Ça prive les alliés de d'un petit confort. Les alliés avec beaucoup de munitions, ça fait quand même plaisir. Et du coup, les éclaireurs qui back. Ouais. Ouais, ils se replient là, ça. Ils ont vu les schtroumpfs, ils ont pris. D'ailleurs, est-ce que. Moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui fait le plus de vues entre les éclaireurs. Il a scoop car V2. Alors, je ne sais pas. S'il a manqué dans le chat, peut-être qu'il va savoir. Le sniper. Sniper qui a dû à 4 kills. Les mortiers de 120 peuvent être déployés. Les sections de fusiliers de bon car, il a. Il n'a pas annulé sa mine sur le point de fuel. Ouais. L'ennemi nous prend notre ravitaillement. Du coup, Furio, il fait un plaque track. C'est intéressant. Oula. Avec le bulk. Non, on va s'en sortir. Et du côté de l'UMB, il a fait un 2-2-2. Peut-être pour aller chercher le sniper. Assez rapidement. Mais il a fait des fusillés de la garde. Ouais, donc là, il est paré pour ça. Après, effectivement, comme disait Vado, ouais, il a fait finalement un bataillon disciplinaire, un fusilier de la garde et une recrue. Donc il, là, ouais, il varie bien, quoi. Il varie les plaisirs. Peut-être pour garder le fusilier de la garde sans PTRS et garder sa puissance de feu. Mais ouais. Oui. Transformé en centre de soins d'urgence. Le fusilier qui arrive à faire tomber quand même pas mal de modèles au chourm. Ouvert. Et le taf. Et du coup, monsieur Quick, il n'y a pas énormément d'infanterie d'empêchant. Il a 600 manpower et il pourrait faire peut-être bientôt les parachutistes. Ouais, effectivement, le commandant a été choisi. À mon avis, c'est ce qui explique. Vu qu'il il avait choisi les éclaireurs de toute façon au début de partie, donc ouais, peut-être il garde les 3 points, comme tu dis, hein, garde les ressources pour ses 3 points. Dès qu'il aura ses 3 points, c'est, ça va lancer. Déjà, il a pas chuté une MG. Et UMB qui met la pression hein, avec son 2-2-2, mais il se fait repousser par les fusils de la garde. Fusil de la garde qui passe en mitrailleur d'épée. C'est vrai que ce flag track sur cette map il est très très intéressant, je trouve. Alors qu'est-ce qu'il va en voir contre ça? Rocard a pas. Non, pas d'athée. J'ai de la garde, mais bon, c'est pas ça qui va le. Il a pas passé ses grenades d'athée pour son recrue. Et quoi comme pour tech? Une recrue, c'est peut-être un peu overkill. T2, le T2 qui a été fait. Du coup, il ouais. A les ressources. Ouais, il va avoir bientôt la sous-70. Il a les. Il a l'essence. Il ne manque plus que les points d'effectif, effectivement, pour faire le T70. Et il a pris son commandant, le T34 ou 35, et mortier de son. Du coup, il va enfin compléter sa mine sur le point d'essence. Bon, car. Et malgré une forte résistance des alliés qui n'ont pas perdu leur fuel depuis le début de la game, je crois, ils ont pas les VP. Bon, pour l'instant, ça va, ils en ont moins un seul, effectivement, ça permet de que la baisse soit pas trop importante, mais bon,
Faudra effectivement qu'il pense et à du le coup, prendre. Je récupère ses vêtements. Les Storm Pioneers qui reviennent à l'assaut. Avec du le. Coup, couille, il a fait son parachutiste. Là, je trouvais que c'était un peu dommage de mettre les parachutistes en 19-19 vu que. Après, ça, c'est fort quand même. Je les joue d'ailleurs, mais ils ont les carabines à main qui sont assez bons, assez bonnes au corps à corps. Donc. Et le 2-2-2, du coup, en haut, il fait la police. Vu que le T-70 n'est pas encore arrivé à son niveau, il est au mid. UMB, il a passé ses grenadiers à 5. Ouais, il en a passé 3. Hein. Et d'ailleurs, petite info, grenadier à 5, quand ils sont bêtins, la trousse de secours ne coûte rien. Nice. Toujours plaisir et elle le met plus rapidement. T-70 est sorti. On va pouvoir faire le boulot. Ouais. Du coup, ça va forcer UMB à faire un pack. L'essence qui a été des caps et couille qui fait un gros assaut sur les munitions. Ça va qu'il y a le flak track pour tenir à distance tout ça. Effectivement, il a fait un AT donc il va pouvoir avancer ouais, et donner la visu. Il l'a parachuté, je crois. Ah non. Furio a fait une MG. Et ouais, du coup, il a mis une petite antenne pour pouvoir renforcer ses paras. Les renforcer, c'est pareil, mais il le fait pas. Mais bon. Cette antenne, c'est quand même sympa, hein. Ça coûte rien. Tu peux en faire 3 et puis ça... ça regarde tout ce qu'il y a dans la zone et ça permet de parachuter plus précisément. C'est quand même sympa ces petits éclairs. Et du coup, les paras qui sont passés en M19-19. T'as écouté, il paraît qu'il se renforce. Attention au T4 qui se pose là, sur le fion. Je sais pas s'il est vu. Ouais, il est vu. On peut peut-être faire un rush. Il y a le flak track. Oh là là, le 2-2-2 qui s'est fait détruire très rapidement. La mine plus le très bien joué cette mine. Hein. Très bien joué au niveau de la tech du MB, il a passé sa phase de bataille 2, donc peut-être pour un P4. Et au niveau de couille, il a pas encore fait son major, il a des ressources. Et Furio, bah, il vient d'installer son T4. Installé, et ils ont fait les deux bâtiments à côté par contre. Ouais, ça peut être intéressant, parce que ça permet de tenir son fuel plutôt bien. Mais là, c'est plutôt serré. Tout est rendu pour coup. Oula. Non, les éclaireurs, ça va, on les a vus. Et du coup, ouais, il renforce ses parachutistes en permanence. Ouais, il a fait une deuxième antenne. Ouais. Il met sur écoute tous les territoires. Bah écoutez, hein, ils sont USF, donc la NSA va aux écoutes de tout. CIA. FBI. La totale. Ouais, le sniper. Il a pas donné de nom, mais bon. De toute façon, il va chromer comme Vladimir. Mais non, ne lui porte pas la pousse. Tu vas décéder, Billy. En tout cas, ouais, il fait le taf. Mais du coup, très bon choix du MB de passer à 5 avec le sniper. Même s'il a pas choisi le commandant à échéance. Les échelons arrière en tout cas sont morts en haut, ils ont essayé de découper le barbelé mais ils se faisaient tirer dessus. Donc ils faisaient ça, donc c'est plus général. Ça pardonne pas. Et du coup ouais, Furio qui fait un yeg. Un NeoG. Il a rien perdu Furio pour l'instant. Il a gardé sa petite cubble. Petite cubble va être bientôt V3, elle pourra bientôt faire le taf, surtout qu'une Kubble avec un Yak Tiger, ça fait vraiment bien bien le café. Voilà. Ça va être compliqué. Le repli de couilles. Et la TI qui passe. Des paras.
l'arc des parapes pour un peu. Oh la grenade, ça sent mal ça. C'était une étourdissante, toi, ça va. Non, ça va, il pourra pas suivre. Les paras qui arrivent pour faire la police et pour récupérer la T. Deux sections de paras. Ouais, et du coup, très bon réflexe de couille. Utiliser le tir de suppression sur les péfuses. D'ailleurs, il va pouvoir. Ouais, vu que la T a été récupérée par les parachutistes, tu peux le renforcer. Ouais, aussi. Je viens de voir ça justement. Je voyais qu'il était à 4, je voyais pas la 3ème et j'ai vu le parachute, je me suis dit attends. Ouais, du coup, ça tombe quand même vachement lentement quand hein. Ça renforce. Du coup, à droite, c'est plutôt tranquille. L'UMB, il a juste mis une MG sur le point de munition. Ça se bat plus qu'au mid. Et oui. Quant à UMB, il a fait son bâtiment T3 et son T4 pour avoir plus de polyvalence et il fait un bombard. Yes. Là, l'IEG de Furio empêche un peu empêche l'USF de rester trop statique derrière des couvertures, de profiter de ce M19-19. UMB qui maintient quand même la pression hein, avec ses grenadiers. Il fait des petits poches. Mortier de 120 aussi. Qui a été déployé. Attention à la grenade sur les fusils de la garde. Et du coup, ouais, monsieur. Va bientôt pouvoir faire un char. Il s'est fait récupérer sa MG par Furio à droite, à gauche. Et du coup, ouais, voilà. Monsieur Couille qui joue Para Thompson et Para M19-19. La MG risque de pas aimer cette grenade. Ah, ça, non, va. Ça va. Ça sort bien. Ça va, il est... Par contre, les IOG, c'est pas une bonne idée. Ouais, elle est quand même morte, la MG. On est bien sorti parce que quand elle s'est pris la grenade, elle était encore en couverture verte. Puis elle est sortie et puis les paras ils ont mitraillé. Par contre là c'est l'assaut. Ah, la T qui est tombée au mid. La T, et il est en train de le transformer pour récupérer des ressources. Aïe aïe aïe, ça fait mal à l'américain ça. Perte de deux armes de soutien en busier en plus, ça fait très mal. Oh, le mortier qui se remet en place, qui va sûrement se prendre une grenade. Non, grenade. Non, c'est pas lui. Putain. C'est pas pour lui. Et du coup, là, ils ont commencé à étouffer un peu les alliés. Mais au niveau de la pop, c'est plutôt bon. Juste Monsieur Couille qui est en back et qui fait un Jackson. Au niveau de Furio. On va bientôt faire un char. Selon les dégâts de la bataille, on estime que les ennemis sont à 300 points. Le sniper qui vient. Enfin, passer les deux. Et t'as vu Brocard en vue du bombard, il a fait son T2 pour pouvoir faire double Zis. Ouais. Non, c'est bien. Ça l'a retardé sur sa tech. Ça a retardé sur sa tech, surtout que qu'est-ce qu'il aura? Non, il aura du T34-85, pas de char lourd. Où sont ces... Là. Tir d'artillerie au milieu, je savais pas c'était quoi. Bonjour. Qui
petit canon 8 heures va être fini au Brumberg, j'ai l'impression. Ouais. C'est passé. Ah. Et du coup, il a perdu une section. Une section UMB là, sur un tir de T-70. T-70 OP. Faire gaffe. T-70 qui fait la vue sur le Brumberg et du coup, Jackson qui en profite. Attention. En plus, il est ciblé. Brumberg. La T qui se déplace. Ouais. En plus, qui est pas là pour. Ciblé là, ça va faire très très mal. Hein. Qui est pas là pour défendre. La T qui va se replacer, mais le tir de Jackson devrait l'avoir, je pense. Ouais. Oh là là, c'est bien joué. C'est dommage. C'est bien joué, hein. C'est. Il peut s'en sortir. En fufu. Pas de. Il s'est bien. Il a bien reculé. Ouais. Il s'est pas pris de grenade. BMB, il devrait peut-être miner. Parce que. Il a énormément de munitions. Il a un commandant qui utilise pas forcément énormément de munitions. À part pour passer en amélioration de ses sections et mettre des bombes à fragmentation. Il peut miner. Il peut se permettre. Ou le sniper. Kurojo qui va peut-être directement aller sur Jagdtiger. Ouais, Furio, il a mis son point de repli. Ouais, et du coup, petit manque de munitions quand même de la part des alliés là. Du coup, ils peuvent pas tellement s'équiper. Le capitaine qui est même pas en barre. Ça peut être un choix. Ouais, je sais pas ce qu'il veut. Smoke sur l'étoile va permettre de un peu stopper l'hémorragie hein, parce que depuis le début ils ont pas non plus d'épée. Et Mutin de côté couille. Ouais, là voilà. Et T-34-90 côté brocard. Ça va faire du bien contre les deux IEG. Et le flak track de Folklo, il peut être intéressant en late game contre les P-47. Oui, c'est vrai. Ouais. En tout cas, les alliés qui ont pris un repris du poil de la bête, hein, parce que la map est. Ah ouais, ils ont. Avec la perte du Brumbar, UMB il fait un panthère. Il prévoit peut-être les chars. À mon avis, il doit se douter, il doit sentir le russe là. Il va se dire, ça sent l'IS2. Du coup, le sniper qui est pas mort, hein, il a pas suivi le sort de Vladimir. Pas que je lui sorte l'œil. Artillerie dans la zone, on a tout été replié. Ça a rien touché, mais ça a permis en tout cas de replier les troupes alliées. Et du coup, barrage de smoke, de fumigène, pardon. Barrage d'assaut avec les fumigènes qui va permettre un assaut sur le cutoff. Mais attention, la section de grenadier là, il se suicide dans sa bombe à fragmentation. T'as vu ça hein, ouais. Très bien joué de la part du MB la bombe à fragmentation. Ah, des pop platés. Et rien d'autre. Ah, du coup, assaut assez sympa. Surtout que. Ils avaient pas mal de munitions. Du coup, ils ont pu faire un peu mal. Le panthère, faut qu'il fasse attention non plus parce qu'il est toujours marqué. Faut pas non plus. Le bombardement à fragmentation peut commencer. Nous avons reçu de nouveaux panzers grenadiers. Et bah écoute, là, la situation s'est plutôt stabilisée au mid. La musique qui a failli tomber sur le coup de mortier. Ah, artillerie d'assaut encore une artillerie de secteur.
d'assaut, pardon. Ouais. Repli. Repli. Sniper, ça va. On va dire back. Passe pas dans la zone. Et il tire de Shtuke en plus, Furio. Furio, vu qu'il avait, il avait pas encore les points pour le Yak. Enfin, Shtuke. Très intéressant. C'est vrai que ça a l'air détruit rien, mais ça les force à chaque fois à retourner dans la base. Ah, c'est du territoire, hein. Et puis ils avancent, hein. Reprendre, reprendre l'étoile. Ouais, surtout que là, ils vont avoir les 3 VP. Ça va commencer à être compliqué après, avec les points qui baissent. Ouais. Ben en tout cas, ils jouent bien ensemble, Furio et UMB. Surtout sur les poches, ils ont fait des trucs sympas. Petit brocard qui met des petites mines aussi. Et du coup, ouais. Oui, qui va reprendre son côté tranquillement. Il va imposer la démocratie à coup de Thompson et d'Ed 19. Il vient pacifier la zone. Exactement. Pacifier la zone. Et du coup, ouais, le flak track qui bouge pas, mais il a pas besoin de bouger, hein. Il est très très bien placé. Il est couvert à gauche. Ouais, et 2 IEG finalement aussi, un niveau qui passe tous les deux niveau 2. Ouais, ils et le Rakuten qui le pas push. Ah, attention, Jackson là, il va peut-être tenter un tir ciblé. Ouais, tir ciblé sur le. Non. Si, ouais, il avait tourné son canon, je sais pas. Ouais, je me suis dit. Et la Kubble qui est 24. Et du coup, ouais, la Kubble V4, elle suppresse maintenant. Ah. Enfin, maintenant, ça a toujours été comme ça, mais vu qu'elle est V4, maintenant, elle suppresse. Et surtout, la garde, il la garde du côté pour... à mon avis, il a dû un peu l'oublier. Et je pense qu'il va y repenser quand il va sortir son Yak Tiger. Le Yak Tiger qui arrive bientôt, hein. Il manque plus que la manco. Ouais, il allait débloquer les points de commandement. MG qui est tombé au mid. MG 42. UMB. Du coup, petit Katyusha pour Brocard. Oh non, le sniper! Le sniper qui est passé avec le tir de Katyusha. Ah ouais. Non. Dommage. Non, Vladimir. Ah, je vois. Le troisième frère, le troisième frère de Vladimir. Il n'y a pas un sniper qui a survécu. Hein. Bah, c'est compliqué. Hein. On est parti serré, ouais, ouais. Comme ça. En tout cas, il y en a eu des snipers dans ce tournoi avec Crackers. Attention au Katyusha là. Il est spoté. Ouais, je sais pas s'il lance quelque chose. Si le panthère a été lancé, mais c'est trop tard. Ouais. Et du coup, ouais, le Brombard qui va faire très très mal. Hein. Le Brombard, qu'est-ce que je dis? Du coup, le Yak Tiger est là. Et UMB, Furio qui a une très très bonne armée, hein, avec Monsieur Couille, les deux ont une armée très consistante. Et surtout avec beaucoup de vétérans aussi. Car qui a perdu un tout petit peu d'infanterie, mais bon. Il tient son side principal. Très bonne utilisation du... UM8 là pour faire la smoke, ouais. Permettre aux échelons d'avancer. C'est pas mal. Surtout que cette étoile, ils en ont besoin. Hein, parce que là, petit à petit, ça descend.
Les Allemands ont pas beaucoup perdu beaucoup de VP, ouais, mais les Alliés bazooka, là sont passés, vont bientôt passer sous les 100. Du coup, il a passé les fusillés bazooka. Il y avait des paras en tombe. Pas encore vu. Est-ce qu'il a vu le Yag? Il n'a pas encore vu le Yag. À mon avis, quand il va le voir, il va le voir. Il va le voir et il va le sentir, effectivement. Donc le Yag, il peut faire des petits tirs de barrage. C'est bon, il l'a vu. Le tir de Shtuka, là. Ah, il y a le Shtuka et le Katyusha qui tirent en même temps, je comprends plus rien. Ok, c'est bon. Le Katyusha qui tire sur la Pharma. Yes. Le Yag, là, il est passé 23, attention. Ça a tué les médecins. C'est déjà ça. Mais du coup, ouais, les médecins, est-ce qu'ils se régènent? Je crois que oui. Mais ça prend un certain temps. Ils sortent. Effectivement, à gauche, le Yag, il a la vue. Ah, la section de para là. Qui s'en sort bien. Qui a pas subi le même sort que Vladimir. Mais qui s'en sort bien, ouais. Les deux panthères qui vont à l'assaut. Ouais. Je sais pas si. Non, ils poursuivent pas. Il est passé en démineur hein, quand même. Il a pas envie de prendre mine. La T qui est tombée, qui est cassée. Le Jackson, ouais, qui s'est positionné avec le T-34 et la T. Surtout que il a le ciblage de disponible, Brocard. Il faut faire attention. Et là, en vue du Yak Tiger, peut-être qu'un SU-85 serait... Oula, là, il avance le Jackson. Je sais pas si c'est une bonne idée d'y aller tout seul. Il est construit par la vue. Un point de capture est envahi. Ah, attention, la grenade là qui est... Oh! Ah oui, oula. Le Lieg qui a one shot là. La section de conscript. Aïe aïe aïe, c'est pas de chance. Après là, le souci c'est le plus 42 en carburant. Faut que je fasse attention. J'ai promis que j'allais parier français. Mais... Ah, il fait un SU-85 Brocard du coup. Ouais, SU-85, mais finalement maintenant assez peu d'infanterie hein, pour le, ouais, pouvoir le défendre. Le tir de bon, Katyusha qui il, était un couille, peu... Il y en a encore, hein. Il y a encore pas mal de sections. Quoi. Donc il a perdu qu'un échelon. Je crois que ça va jouer encore sur les VP hein. Ouais, ça va, à mon avis ça va se fight, mais ouais, l'axe a tendance à prendre le dessus sur les VP. Toujours. C'est vrai que maintenant la Kubel qui est passée niveau 5 défend son VP, bah oui, côté gauche depuis le début quoi. Elle veille au grain. Elle pourrait même faire la vue pour le Yag. Hein. Il y a le petit putain, la fac cochon qui défend le flanc du. Allez, ouais. Peut-être une mine pour le Yag au cas où, parce qu'il faut pas oublier qu'en face il y a le marquage. Hein. Ouais, c'est sûr. Le Panzer fusil en tout cas niveau 5 qui font le café. Hein. Ouais, c'est sûr ça. Et... Oh là, ce Panzer Werfer. Bien joué ça. Raketen qui tombe. Et ça montre encore une fois qu'ils jouent très bien ensemble. Des deux côtés, hein, Axe et Allié, ils jouent plutôt bien ensemble. On a fait descendre les points de l'ennemi à 75. On n'a pas affaire à un contre un. Les deux côtés. Les deux panthères qui se réparent à la base. Riposter, riposter.
Tu vois, la Kubble, elle couche vite en plus, hein, sur l'étoile de gauche, là. Ouais. C'est pour ça qu'il... Non, il emmène le même but à 1, mais bon. Elle s'enlève tout de suite. Elle part tout de suite. À mon avis, là, il doit être un peu tilt par les points. Ils vont peut-être tenter un rush. Le problème, c'est que Monsieur Kou, il a pas le P47, il a pas les munitions. Ah oui, carrément, artillerie de secteur. Ouais, tu ne prendras pas ce point. Donc là, la unité se replie pas. Oh là là, ça se replie là-dedans. Je pense qu'il va tenir bon derrière la couverture. Ah, il y a un petit passage qui a été ouvert, une petite brèche a été ouverte. Ouais. Le Yag qui tourne du coup pour aller chercher le... Ah, bombe à fragmentation là en haut. Attention. Ouais, très bien joué, hein. Très bonne utilisation des bombes à fragmentation. UMB qui fait un gros push en haut avec les deux panthères. Ouais, le T-34 devait y passer. Ouais, peut-être. Ouais. Dernier carrément tir. Carrément one-shoté. Bah, ils vont peut-être en profiter pour se faire la SU, parce que là, il s'est un peu trop avancé. Hein, bah, là, c'est, à mon avis, c'est la fin. Hein. UMB qui a fait un très bon rush. Ouais. Sachant que en haut, là, il a été obligé de se replier. L'étoile n'a pas pu être prise. Vu qu'il a vu que le Jackson était à gauche, et ben il en a profité pour faire un assaut sur Brocard. Et s'en Brocard sort. Du coup il est à 29 de pop. Il est un peu out match. Et du coup ouais c'est dommage. Là il faut prendre les VP à tout prix. Même si Monsieur Couille fait un assaut. Oh, Panzerwerfer là, t'as vu? Ouais. Il a voulu aller sur son chemin de repli, mais il s'est pris effectivement le Panzerwerfer. Et puis en plus, le Lieg va être pas. Et quand il va se replier, il va être à nouveau sur le chemin de repli sur lequel il est. Il va passer devant les grenadiers avec les Guevers. Ça va et être compliqué après, pour lui là. Les grenadiers ils ont que un Guevers hein, dans leur section. Ça, faut croire que ça a fait le boulot là. En tout cas, ça suffit. Et après, ouais, un Guevers ça suffit. Hein. Dans les sections de base, il y a deux Guevers. Et... Artillerie du Major déployée. Ça sent quand même pas bon pour les Alliés. Hein. 14 points. Un Jackson, 14 points contre un Yak Tiger. Mais en effet, contre un Brit qui aurait fait crocodile, le Yak Tiger, c'est bien de l'avoir sous la poche quand même. Ouais. Moi, c'est contre un Jackson, c'est peut-être un. En tout cas, à côté Furio, niveau infanterie, là, c'est. Niveau 5, là, il y en a un. Furio OP. C'est le GG qui tombe. Ouais. 4 points, ils savent que c'est terminé. Voilà, GG. Bon, c'était une belle partie quand même. Ouais, belle partie quand même. Hein. Et surtout que à un moment, l'Axe a réussi à une grande offensive. Mais les alliés sont revenus, hein, sont bien revenus. Ça aurait pu passer. Hein. Mais tu vois, je trouve que. Que le Stuka ça passe vête quand même pas super vite. Pour vraiment passer les vêtes, faut attendre qu'il soit vête 2 et avoir le temps de rechargement des salves qui est plus rapide. Je trouve que c'est pas non plus très très rapide à passer vête. Ouais. Après ça peut faire la différence avec un petit repli, avec arriver à tuer une unité sur un repli. Des fois tuer une par une unité, ça peut le faire, hein. Ça peut suffire. Hein. Surtout en milieu fin de partie où tu commences à perdre tes unités gradées. Hein. J'ai déjà Stuka dans la base des Rangers Vet 3, j'en ai tué deux, mon Stuka il a pris, il est passé Vet 1. Il est passé Vet 1 et encore. Il avait déjà tiré pas mal deux fois avant. Bon, du coup. Un petit tour dans les stats et on enchaîne sur un autre match de la phase de poule.
voir quel match on n'a pas fait. Et ouais, on voit honnêtement sur la valeur de l'armée de Broca au niveau de l'assaut des. Au niveau de l'assaut du Panthère, c'est net, hein. Yes. En On tout fait cas, une c'était un bon toute match. petite pause et on revient dans quelques instants.